la famille et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Thibriss et aujourd'hui la famille, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler les biellettes de direction car je trouve que le train avant il est mal réglé. Du coup j'ai un peu de manque de stabilité dans les virages. Je vais augmenter un petit peu l'ouverture. En fait à l'arrière vous avez du pincement, vous voyez les roues elles se ferment vers l'intérieur. Et à l'avant, il faut que les roues elles partent vers l'extérieur d'environ 2 degrés. Mais là, pour l'instant, on va régler les biellettes parce qu'elles sont mal réglées. Donc, étape numéro 1, la famille, vous enlevez les roues, la carrosserie. Et on va dévisser ici, au niveau de la fusée. On va dévisser pour régler la biellette de base. Vous devez avoir un écart de... selon le manuel, 2,8 mm entre. Et après, vous augmentez en fonction l'ouverture ou le pincement. Avec, je ne sais pas si vous voyez la petite barre qui est au milieu. Vous tournez soit dans un sens, soit dans l'autre pour régler. Ça s'appelle une biellette à pas inversée. On va faire cela, la famille. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais on a léger... problème de direction. On va essayer de régler ça maintenant. Donc la famille, on a pris le mètre et on a mesuré, on a environ 2,8 entre chaque. Maintenant on va procéder la même chose de l'autre côté. On va régler la biellette d'environ à 2,8 de chaque côté et après on va voir comment ça tourne. On verra ça. Bon, la famille, une fois qu'on a réglé à 2,8 mm, on va régler le palonnier de direction. Je sais pas si vous allez voir ici. En fait, faut que le palonnier de direction soit parallèle au sauve-cerveau, ce qui n'est pas le cas sur mon véhicule, ce qui fait que, vous voyez, regardez le palonnier, ce qu'il fait, il monte. Donc, on va régler ici. Niveau de du palonnier maintenant. Et après, je pense qu'on sera plutôt pas mal. Hein. Et voilà la famille. Une fois que vous avez réglé vos biellettes, on a remonté. On lui a mis une petite vis pour le tuning avec un petit écrou, un e-stop en titane. Enfin, c'est ce que je pense hein, quand j'ai commandé, c'était écrit titane. De l'autre côté également la famille, avec des étriers en alu, fusée alu. Parce qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, on va régler le palonnier. Regardez. Comment il est parallèle au sauve-cerveau. Vous voyez, il force pas. Impeccable. Palonnier et essayer un petit essai routier, voir ce que ça donne. Donc voilà la famille. La direction, faut bien qu'elle est réglée, sinon vous allez forcer sur le sauve-cerveau et tout casser la famille. Moi ici, ça forçait sur les plastiques. Regardez, là ça force pas. Montre. Là, ça force nulle part. L'angle, l'ouverture, elle est bien réglée. Comme vous pouvez le voir, ça écarte les cuisses comme un poulet rôti, la famille. Donc, on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. On va faire un essai routier maintenant. Le balai devant. On va reculer un petit peu. Je vais vous poser et c'est parti pour le petit test routier. Impeccable la famille.